Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux toilettes sèches pour leur vertu écologique et surtout parce qu'elles seraient une solution très pratique pour l'Afrique dont on connaît la difficulté à trouver de l'eau courante dans les villes ainsi que dans les campagnes. Les toilettes sèches sont écologiques et très adaptées au cas de l'Afrique parce que elles ne nécessitent pas d'eau. En plus, elles permettent de régénérer la nature. Le principe est très simple. On prédécoupe une planche pour y installer un seau. Donc on prévoit deux seaux. Donc pendant que l'un est installé, l'autre il est en cours de nettoyage. Donc le principe c'est de tapisser le fond du seau avec éventuellement des copeaux de bois, de la matière végétale, de la suie pour absorber la matière fécale ainsi que le liquide contenu dans les urines. Une fois qu'on a déversé cet ensemble, pour neutraliser les odeurs, on utilise de la cendre. Grâce à la cendre, plus aucune odeur n'est ressentie. À défaut d'avoir de la cendre, on peut utiliser des matières végétales. Ce serait une bonne solution pour les prisons en Afrique, qui sont les centres de distribution de maladies à cause des problèmes de sanitaires. Et ça éviterait surtout de continuer à polluer les cours d'eau avec de la matière fécale, soi-disant parce qu'on nourrit les poissons. Et ça permettait de lutter contre le choléra. Parce que quelqu'un qui a le choléra et qui va faire ses besoins dans l'eau, c'est tous ceux qui boivent la même eau vont être infectés par le Vibrio cholerae qui transmet le choléra. Donc c'est aussi une façon de lutter contre le choléra en incitant les populations plutôt qu'à déféquer dans les cours d'eau dans les villages, à transformer leurs excréments en engrais. Donc c'est très simple le procédé. Les copeaux de bois qui tapissent le fond du seau avec un peu de suie. Procédé très simple. Tous les produits absorbants peuvent faire l'affaire.
Tous ces produits sont biodégradables. Voilà, ils peuvent aussi remplacer les copeaux de bois. À défaut d'avoir des herbes sèches, les copeaux de bois, on peut utiliser toutes ces matières aussi qui sont à base de bois. Il ne faut pas oublier que le papier est fait à base de bois. Une fois qu'on défègue dessus, on peut recouvrir tout ça de cendres et le tour est joué. Voilà, très simple. Pour obtenir des WC secs et écologiques, capables de sauver beaucoup de populations de dysenterie et autres maladies. Merci à Nono sur YouTube.